Hello, coucou, j'espère que vous allez très bien et déjà félicitations pour le nouveau gagnant et pour ceux qui n'ont pas joué, ne découragez pas, il faut toujours rejouer. Ok, je vais vérifier les résultats en ligne rapidement et c'est parti avec moi. Ce que je vais faire, je vais aller je vais partager mon écran, ok? Partager l'écran. Où est-ce que je vais aller? Je vais ouvrir une page où je vais aller taper. Je vais ouvrir une page où je vais aller taper diviprogramme.state.gov. C'est là où on regarde les résultats de. Ok, j'espère que tout le monde voit mon écran. Je vais essayer d'agrandir. Ok. J'ai agrandi mon écran. J'espère que tout le monde voit bien. Je vais juste taper DV. Taper diviprogramme.state.gov ou bien tu peux juste taper diviprogramme sur Google, ça va te sortir la première page là et tu vas tomber sur le site de la loterie. Ok, là ce que je vais faire, quand je vais vérifier, je vais pas parler pour que ma page ne s'expire pas. Ok, donc là on est sur la page pour regarder les résultats. On nous dit l'entrée pour la loterie américaine 2024 était entre le 5 octobre 2022 et le 8 novembre 2022. Ok, donc là on peut regarder les résultats de la Divi 2024 aussi, mais on peut aussi regarder pour la Divi 2023 parce que la Divi 2023 n'est pas encore finie, ça finit en octobre, le 30 septembre plutôt, désolé, le 30 septembre. Dans les divises 2023 ici. Les divises 2023, vous pouvez toujours regarder vos résultats. Ok, vous avez jusqu'au 30 septembre 2023 pour regarder vos résultats. Mais les résultats de la divise 2024 aussi sont disponibles depuis hier samedi. Ok, donc je vais regarder check status. C'est parti, je ne vais pas parler, je vais aller vite pour que ma page ne s'expire pas. Je vais mettre les informations de la personne, ok? Pour les informations de la personne, je vais cacher, ok? Donc, vous n'allez pas bien voir ça, je vais réduire l'écran. Alright. C'est parti pour confirmation number. J'ai mis la confirmation number. Maintenant, je mets last family name. Last family name, je prends juste les noms ou le nom qui viennent avant la virgule. OK? Juste les noms ou le nom qui viennent avant la virgule. Pas après la virgule, sinon vous n'allez pas pouvoir regarder les résultats. Écrivez juste à last family name le nom ou les noms qui viennent avant la virgule. L'année de naissance. Code d'authentification. Et submettre.
peux regarder le résultat maintenant. Oh my God, mon bébé n'a pas été sélectionné. Has not been selected. Elle n'a pas été sélectionnée. Désolée. Donc, voilà le résultat en fait. Elle n'a pas été sélectionnée, donc elle va rejouer. Je vais lui passer le message. Donc, comme je disais, c'est comme ça qu'on regarde les résultats de la loterie américaine. Désolée, il y a les enfants là qui font le bruit ici. Donc, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir ici, je suis allée dans le site, j'ai rempli les informations et elle n'a pas été sélectionnée, ok? C'est pas grave, elle va rejouer, ok? Donc, has not been selected, c'est pas un problème. On ne perd rien, ok? On ne perd rien en rejouant en fait. Donc, bonne chance à tous ceux qui ont été sélectionnés, ok? Si tu as été sélectionné, bonne chance. Si tu n'as pas été sélectionné, il faut rejouer chaque année. Tu ne perds rien en jouant parce que jouer, c'est gratuit. Ok? Et je vais enlever le share screen là. Je vais enlever le partage. Partage d'écran là, ok? Stop sharing. Mais le jeu, si, hein? Le jeu, si, c'est la magie seulement. C'est la magie seulement. Depuis là, j'ai seulement vu un gagnant. Ok? Depuis là, j'ai seulement vu un seul gagnant. Mais ne vous découragez pas. Si c'est ton heure de venir en Amérique, tu vas venir. Si ce n'est pas encore ton heure, Dieu est en train de travailler sur ça. Donc, il ne faut pas te comparer aux autres. Il ne faut pas dire pourquoi lui, pas moi. Chacun a son destin, ok? Ton heure, c'est ton heure. L'heure de ton voisin, c'est l'heure de ton voisin. Ne vous découragez surtout pas. Et je dis welcome to America pour tous les gagnants. Donc, moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Thank you.